Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un nombre réel selon la norme I3E754, qui est la véritable représentation des nombres réels en machine, et on supposera que le nombre nous est donné sous sa forme normalisée. Pour simplifier, on va se placer en simple précision, mais la démarche en double précision est à peu près similaire. Donc, on me donne ce nombre ici, donc c'est bien en forme normalisée, puisqu'il y a une mantisse qui commence par 1, quelque chose, et ensuite j'ai fois 2 puissance l'exposant. Donc, dans cette norme de représentation des flottants, eh bien, il y a en fait un bit pour le signe, ensuite, en simple précision, on retrouve 8 bits, ensuite pour le signe, on retrouve 8 bits pour l'exposant codé en excédant 127. Puis on a ensuite, donc on a 32 bits en tout, on en a déjà utilisé 9, donc il nous en reste 23. Il nous reste donc 23 bits pour la mantisse. Donc la mantisse, c'est ça. En fait, un nombre en forme normalisée, c'est toujours 1, quelque chose. Donc on va économiser ce 1, ça sert à rien de l'écrire puisqu'on sait qu'il est toujours là. Donc ça va être la mantisse, en fait, sans le premier 1 avant 1, on va écrire juste ça. Donc pour la mantisse, sans le 1 avant la virgule. Alors, voyons voir. Du coup, pour ce nombre-là, donc je vais écrire mon bit de signe. Donc là, il n'y a pas de signe qui m'est donné, donc c'est sous-entendu en fait plus ce nombre-là, c'est un nombre positif. Donc le bit de signe associé au nombre positif, c'est 0. Ensuite, pour l'exposant, donc pour l'instant c'est 3, il faut que je l'encode en excédant 127, pardon. Donc il faut que je calcule 3 plus 127 et que j'encode en RBNS. Donc 3 plus 127, ça fait 130. Je décompose comme une somme de puissance de 2, c'est 128 plus 2. Donc sur 8 bits, ça s'écrit ainsi. Donc 3 s'écrit comme ça en excédant 127. Donc je vais l'écrire dans les 8 bits, réservés à l'exposant en excédant 127. Et enfin, je vais récupérer la partie de la mantisse qui est après la virgule. Ici, donc 001101. Et ensuite, eh bien comme j'ai 23 bits en tout, en fait, il faut que je remplisse avec des zéros derrière. Ça ne change pas mon nombre de rajouter des zéros à droite. Donc, il faut que je rajoute des zéros. Donc là, je ne vais pas tous les écrire, mais je vais indiquer combien il y en a. Donc là, je dois avoir 17 0, puisque toute cette partie-là doit faire 23 bits, et que ici j'ai déjà écrit 6 bits. Et voilà, donc ça, c'est la représentation selon la norme I3E754 de ce nombre qui était donné sous sa forme normalisée. Alors maintenant, je vais représenter celui-ci, qui a la particularité d'avoir une partie décimale, une partie, pardon, après la virgule qui est infinie. Donc, alors, je dois, comme étape intermédiaire, calculer l'exposant en excédant 127, donc je vais calculer moins 4 plus 127, donc ça c'est égal à 123, et 123, eh bien c'est la somme entre 64, 32, 16, 8, 2 et 1. Donc voilà, c'est la décomposition en somme de puissance de 2. Alors, ensuite, je peux donc écrire
Mon bit de signe, donc là encore, c'est un nombre qui est positif. Donc le bit de signe, c'est 0. Sinon, j'aurais mis 1 comme bit de signe. Ensuite, je mets 8 bits pour mon exposant encodé en excédent 127. Ah oui, donc je n'ai pas fini de l'écrire. Donc ça veut dire que moins 4 en excédant 127, ça s'écrit avec 1 au bit de poids 64, 32, 16, 8, 2 et 1. Donc c'est ceci que je vais recopier ici. Et ensuite, pour ma mantis, eh bien, alors je vais écrire une partie qui sera un petit peu un brouillon dans un premier temps. Là, bah, je vais dérouler toute ma partie qui se répète jusqu'à remplir tous les bits que j'ai à ma disposition. Donc, ici, j'ai donc 3 fois 6, donc 18 plus de 20. Il me reste 3 bits à écrire, donc il me reste ça. Alors là, pour l'instant, j'ai fait une troncature, mais je vous laisserai voir dans la suite de la vidéo pourquoi c'est en fait véritablement l'arrondi. Et donc, on a bien au final, pour ce nombre, eh bien, selon la norme I3E754 en simple précision, on a 1 bit de signe, 8 bits pour l'exposant codé en excédent 127 et 23 bits de mantis sans le premier avant la virgule. Je vais faire maintenant un petit focus sur en fait la règle de l'arrondi. Donc, rappelez-vous, c'est ce nombre-là qu'on veut encoder selon la norme I3E754 des flottants. Donc l'exposant, en fait, on s'en occupe pas puisqu'il sera codé dans les bits d'exposant. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la mantis qui doit tenir sur 23 bits. Donc, on va devoir supprimer des bits puisque là, on en a une infinité. Donc, j'ai réécrit ici, en bleu, le nombre qu'on veut écrire en prenant autant de bits que me permettait de l'écrire ma feuille. Et donc, plus que les 23 bits autorisés. Les 23 bits autorisés sont ici, d'accord? Et puis, j'ai déroulé encore ma période qui se répète. Alors, donc si je tronque ici, aux 23 bits qui me sont autorisés, j'obtiens ce nombre. Donc ce nombre en noir, évidemment, plus petit que le nombre en bleu. Alors, pour bien faire ma règle d'arrondi, il faut que j'écrive le nombre représentable qui est immédiatement au-dessus de celui-là. Pour ça, eh bien, il faut que j'ajoute le nombre qui a que des zéros, sauf un 1 au dernier bit représentable. Donc ça, si j'ajoute, donc je fais mon addition en binaire, 0 plus 1, ça fait 1, et je ne retiens rien, et après, à chaque étape, j'ai 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, etc. Donc, j'ai juste à recopier ensuite tout ça. Donc, ça fait 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, voilà. Donc, maintenant, je vais effacer ce qui est en orange intermédiaire. Hop. J'ai donc en noir les deux nombres qui encadrent immédiatement mon nombre bleu par en dessous, parmi les nombres représentables sur ces 23 bits de mantis, et par au-dessus. Donc le nombre bleu, en fait, est entre celui-là et celui-là. Alors pour savoir auquel il faut arrondir au plus proche. Donc je vais calculer le nombre qui est pile à la moitié entre celui-là et celui-là. Et pour ça, en fait, eh bien, il faut faire une opération qui est proche de celle qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on va rajouter, faire une addition avec un nombre qui a que des zéros. Sauf que cette fois, notre unique 1, on le met ici. Donc sur un bit dont on ne disposera pas ensuite dans nos 23 bits autorisés. Donc là, je fais l'addition. Et bien évidemment, ça va me donner, en fait, donc je vais avoir un 1 ici. Et ensuite, eh ben 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1, etc.
Et donc, je n'ai alors plus qu'à recopier en fait ce que j'avais ici. Donc là, j'ai 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 et 1, virgule. Et donc, je peux de nouveau effacer ce qui m'avait servi de manière intermédiaire. Voilà. Donc, récapitulons. Nous avons ce nombre-là qui est plus petit que le nombre qu'on veut représenter et qui est représentable. Nous avons celui-là qui est représentable et qui est plus grand que le nombre qu'on veut représenter. Et nous avons celui-ci qui n'est pas représentable mais qui est pile à la moitié entre celui-là et celui-là. Donc, il nous suffit de savoir notre nombre bleu, où est-ce qu'il va dans l'ordre croissant? Est-ce qu'il va ici, c'est-à-dire entre le noir plus petit et le rose? Et dans ce cas-là, ça veut dire que le bleu serait plus proche de celui-ci. Ou bien si le nombre bleu va entre les deux, entre le noir, entre le rose, pardon, et le noir qui est plus grand. Alors pour ça, on va regarder ce qui se passe ici. Ok? Alors on voit que lui, il a un 1 ici, alors que celui-là, il a un 0, ce qui veut dire que celui-ci est plus petit que celui-là. Donc en fait, dans l'ordre croissant, notre nombre bleu, il va là. Donc je vais le réécrire. Et donc du coup, grâce à cette observation, le fait que celui-ci soit avant le nombre rose dans l'ordre croissant qui va de lui à lui, nous indique que le nombre bleu est plus proche de celui-ci que de celui-là. Donc j'arrondis à celui-ci. Il y a juste une règle à savoir en plus de cela, c'est que si le nombre qu'on voulait représenter, c'était précisément le rose. Bah, il est précisément à mi-chemin entre celui-ci et celui-ci. Donc comment je fais pour savoir lequel est le plus proche? Parce que les deux sont aussi proches. Eh bien, en fait, il y a une règle spéciale pour ces cas-là. On dit que quand un nombre est exactement au milieu entre les deux nombres représentables les plus proches, donc par en-dessus et par en-dessous, eh bien, on prend comme représentation le nombre dont la mantisse termine par un 0. Donc en l'occurrence, ici, ça aurait été celui-là.